なんですよ。でもベルギーっていう国自体を本当にそんなに知らないので、はい、ベルギーワッフルとかなんか朝がこう有名だったりダイヤモンドが有名だったり、パリからブリュッセルに電車で来たことがあるんですけども、その時は季節も冬だったのでとてもどんよりとしてなんか陰鬱なイメージだったんですけれども、c'est un peu de la culture française avec un peu de la culture allemande avec un peu de la culture hollandaise avec un peu de la culture anglaise, tout ça mélangé, donc c'est comme c'est une ville bric-à-brac. Et je pense que c'est ça la Belgique, c'est un tout petit pays mais qui part un peu dans tous les sens, qui est un peu fou quoi. Parce que c'est ce côté que rien ne va ensemble, tout est décalé. En général on dit chocolat, la bière, l'étude. Là, c'est très compliqué parce que bon, Belgitude, c'est un peu un tiroir dans lequel on met beaucoup de choses sans savoir véritablement ce que c'est. Un certain nombre de qualités. Il y a cette autodérision dont on parle beaucoup. Il y a le charme et la poésie. Ce sont nos miniatures qui représentent la Belgitude. Et nous avons, par le biais de ces miniatures, nous permettons à nos clients de voyager.人生二度目のベルギー、ゆっくりと街を散策するのは初めてのことです。いやーなんか結構ゴールドを多用しているのが意外でしたね。ちょっとこうユーゲンスティルみたいなイメージですかね。でもゴシックなんですね。基本はゴシック調なんですね。古くから多くの人種が行き交う街、フランスの文豪ヴィクトル・ユゴーもその一人です。彼はこの場所を世界一美しい広場と称えました。全くわからない、イタリア語だからわからないです。あ、ちゃんと国旗がユーロとベルギーと両方あるんですね。高さ96メートルの市庁舎は15世紀に建造されました。あ、パッサージュがありますね。ちょっと気になりますね。はい、はい、あーすごい、ものすごい大きくて綺麗なパッサージュですね。ヨーロッパ最古のアーケードと言われるギャルリー・サンチュベール。ベルギーで生まれた老舗のチョコレート店が数多く並んでいます。あ、ピエール・マルコリーニ、さすがベルギー。
美味しいんですよね、ピエール・マルコリーニ。私あのお砂糖がいただけないんですけれど、ピエール・マルコリーニさんはあのソンスックレって言ってあのお砂糖の入っていないチョコレートを作っているのでよく購入してます。本当に美味しいんですよね。そしてここが今回の旅の目的、デルボーダー。古い柱の陰につつましく佇むお店、その名もデルボー。世界最古のラグジュアリーレザーバッグブランドです。1829年にブリュッセルで創業して以来、職人の手仕事によって芸術品のようなハンドバッグを作り続けています。19世紀には王室御用達の承認を受けた、まさにベルギーの象徴。C'est beau? Vous aimez bien Delvaux? Oui, bah oui, c'est beau. Vous êtes du Bruxelles? Non. De Belgique, oui, de pas Brésil. De Bruxelles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'Hervaux? Oh ben, c'est le grand personnage pour la fabrication des oui. de sacs en cuir. Oh, oui. Et c'est chic? Oui, 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 oui. C'est oui. très élégant. Ça, oui, oui, oui. Très chic. Bon séjour en Belgique, alors. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que je peux venir? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oh là là. Merci beaucoup. Oh. Vous connaissez un peu notre maison? Oui. Ah oui, oui. Mais première fois pour moi d'être ici. À Bruxelles. Ou à Bruxelles. Oui. Mais alors, ouais. Je vais peut-être un peu vous montrer les différents modèles. Ah oui, c'est oui. quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Vous connaissez notre modèle classique, le Brillant? Oui, Brillant. Qui a été créé en 1958 pour l'exposition universelle. Mm-hmm. Il se décline dans différentes tailles et dans différents cuirs. J'aime bien aussi le blanc. Je voulais aussi particulièrement vous présenter, en tout cas pour le plaisir de vos yeux, une pièce exclusive pour montrer tout le savoir-faire de notre maison Delvaux, à savoir les cuirs exotiques. Oui. Vous avez sur cette pièce quatre peaux différentes de animal. Ça, oui. Ça. Alors ça. Vous avez le piton, le serpent. Donc, serpent. Vous avez, voilà, vous avez ici le rabat en alligator. Alligator. Et vous avez ce morceau-ci en galusha. Donc galusha, c'est un poisson. Stingray. Stingray, char green. Ah, ei, mitaina koto desu ka? So desu. Ah, nihongo wa wakarimashita. C'est vrai. Sugoi. Nihongo wa motomo muzukashi genbo desu no ni. Shiro no hoga yo. Shiro daisuki desu. Ah, kirei. Ah, kirei. Hontou ni kirei. ちょっとこう触るのをためらうぐらい白いですよね。本当の白ですよね。そう、これ多分デニムとかで合わせてもカジュアルになりすぎず清潔になるんですよね。あ、素敵。素敵ですね。素敵。本当に素敵。いいですね。いいですね。欲しくなる。あ、すごい素敵。いいなこれ。サイズはちょうどいいですね。ね、本当に素敵。Ça fait combien? 3150 euros. Oh là là. C'est mignon, mais le prix n'est pas mignon. Le prix n'est pas mignon. J'adore ça. Oui. ついつい何でしょうね、こう女性ってね、カバンを見るとウキウキしてしまう。とりわけデルボーってあの何でしょう、今だけのものではないというか、消耗品ではなく消費されるものではなくて、本当に大切に使い続けていけるものなので、より執着してしまうというか。
素敵。19世紀、オランダから独立したベルギー。それ以前は周囲の大国に代わる代わる支配されてきました。そのためフランス語、オランダ語、ドイツ語が混在し、自国の言葉を持たないベルギー人は昔から謙虚で、自らを笑い飛ばすユーモアを大事にしているといいます。なんか随分立派な建物ですね。すごい。あ、すごい。あ、なんかお城のようですね。あ、素敵。わあ、綺麗。Bonjour。Je m'appelle Mickey. Je suis ici pour rendez-vous de, avec que Christine. Et on va appeler Christina pour vous. Ah oui, s'il vous plaît. Allez, Christina, ça descend. Ah là là, tout ce qu'il y a.Ça fait presque un an, deux ans. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans, mais voilà, toujours la même, toujours aussi belle. Oui, voilà. Vous êtes très belle. Alors, on est ravis de vous avoir dans la maison. Oui, s'il vous plaît. Ouais, c'est beau, hein? Oui, alors ça a été refait il n'y a pas très, très, très longtemps. Oui, alors c'est... en fait, c'était un ancien arsenal militaire. Mmh. Et c'est une construction assez industrielle. Mmh.Alors, il paraît que vous avez un sac à nous donner. Ah oui. En réparation. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, j'utilise toujours. D'accord. Oui. D'accord. Pas cassé, mais. Ça nécessite une petite. C'est bien fait. Voilà, ça nécessite une petite beauté. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Très bien. Moi, je vous laisse passer. Ah, merci. Eh. C'est quoi, 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 c'est quoi,de la maison. Oui. C'est, donc on a effectivement un atelier à Bruxelles. On a aussi un atelier en France. Oui. 工房では熟練者たちの手仕事によって日々美しいバッグが作られています。ブランドの長い歴史を支えてきた技術がこの場所で脈々と受け継がれてきました。しかし、クオリティへのこだわりは職人の技だけではありません。Et là, vous allez trouver effectivement tout notre stock de cuir. Mm-hmm. Et on garde justement pour nos clientes qui ont quelquefois des sacs qui ont plus de 50, 70 ans. On essaye toujours de garder. Mm-hmm. On essaye de faire le maximum. On a quelquefois, vous allez voir, là, on nous a amené il y a à peu près, on nous a amené hier, un sac qui doit dater des années 50, sur lequel il faut changer la poignée. Vous voulez aller dans le stock cuir ? Oui, si c'est possible. D'accord, ok. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Alors déjà, quand on rentre dans le stock cuir, ça sent cuir. Ça sent bon. Voilà, on est voilà, on a déjà l'impression que on est. Et c'est vrai que moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est un lieu qui raconte une histoire de collection. 工房のそばで出番を待つ革素材。時代を牽引するレザーブランドとして、さまざまな素材に挑戦してきた証がここに詰まっています。
中でも上質でデリケートなエキゾチックレザーは選ばれた職人にのみ扱うことを許されてきました。Là, par exemple, ça, c'est de la toile de cuir. Mm-hmm. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est exclusif à la maison. Ce n'est pas un tressage, c'est un tissage. C'est exactement comme du tissu, avec effectivement la chaîne et la trame. Mm-hmm. Et en fait, on utilise des bandes de cuir qui sont coupées de manière individuelle. Mm-hmm. Par exemple, certaines maisons font du tressage. Mm-hmm. Chez Delvaux, c'est du tissage et c'est aussi la particularité de notre cuir, c'est qu'il est effectivement travaillé comme un tissu. Ça, c'est du crin de cheval. Ah, horse hair. Voilà, ça, c'est du crin de cheval qu'on avait utilisé dans une de nos collections il y a quelques étés et qui était en fait un sac qui avait un encadrement en cuir et un centre, effectivement, en crin de cheval. 日本でもお草履でこのホースヘアを使ったものがあるんですけれども、今ホースヘアを折れる職人さんがなかなかいなくて、これももうもしかしたらこの先作れないかもしれないって。 C'est très très difficile. Mais ça fait partie effectivement des très belles choses que l'on essaye de préserver en continuant à les utiliser. Est-ce que c'est ça, ce que c'est, non, des, c'est années, voilà. Des années 50 voilà. C'est très belle. Voilà, donc ça, c'est un sac qui date certainement des années 50. C'est antérieur à la boucle brillant. Et cette cliente, vous voyez, sa poignée est quand même très abîmée. Mais généralement, voilà, on se fait un point d'honneur à ce que tous nos clientes puissent faire... réparer leur sac, parce que c'est très sentimental, un sac. Quelquefois, c'est un cadeau qu'on a reçu pour une naissance, pour un mariage, pour ses 18 ans. Donc, généralement, on fait attention de pouvoir les réparer. Ah, quel gentil. Donc, maintenant, on va prendre votre sac. Ah oui, s'il vous plaît. C'est pas mal, c'est bien fait. Je crois que c'est bien fait, mais si c'est possible. Pour Luc, vous savez, tout est possible. Hein, donc, ah oui. Mais en fait, pas mal, ici, hein? Oui, non, tout à fait. Ici, ce qu'on peut utilise proposer, tu joues comme ça, donc. Ouais, ce qu'on appelle un miniso, c'est-à-dire qu'on va traiter le cuir, le renourrir, on va essayer un maximum d'enlever les griffes. Oui, s'il vous plaît, juste un petit peu. Oui, voilà, atténuer. Pas trop. Non, voilà, vous avez raison, parce que c'est les traces de quelque chose qui a été porté, vécu, voilà. Mais moi, je trouve que ce vieux est très beau. Je pense que si je ne le fais pas, c'est très beau. C'est trop beau. Comme ce que Christina a dit, c'est que le caban est toujours avec des souvenirs. C'est que les gens ont des souvenirs de leur vie. Par exemple, le présent de la naissance de la naissance. あとはご結婚の時にいただいたものだったり、成人のお祝いにいただいたものだったり、やはりその使い捨てするものじゃなくて、大事に大事に使い続けるものなんだっていうお考えなんですね。素敵ですよね。本当にすごい感激しますね。ああ、ね。うん。Oui. C'est chic. C'est chic, hein? Oui. Très chic. Voilà. J'aime bien ça. Parce que vous êtes très élégante aussi. Est-ce alors, qu'on peut échanger? J'aime bien ça, beaucoup mieux que voilà. Mon sac. Delvaux の創業はベルギーの独立とほぼ同じ頃。まだハンドバッグを持ち歩く習慣のない時代。馬車に積むトランクの製造からその歴史は始まりました。It was a time of industrialization in all over Europe, and so railways started to coming out, and so he was one of the first who recognized that the system also requires another way of putting luggages together. I mean, how do you put them into the trains and stuff like that? Also, this new kind of travel with the railways, for ladies, they saw that handbags would be needed. So in this wave of industrialization, he was one of the first who came up with handbags, in fact.
And by the way, there was also one of the first companies with patents on handbags. Like we had one in our archives, which dates back to 1908, which is quite remarkable. They were also visionary people. They introduced the concept of seasonality to bags, which hadn't existed. So this, in fact, comes from prêt-à-porter, and it was new to the leather goods business. 時代の先端を生きながらも時代を超えて愛されてきた名作の数々、デルボーの遺産はまた次の時代を切り開いていきます。ブリュッセルから北へ列車で40分走ると、そこはもうオランダの文化圏。かつて交易の街として栄えたアントワープにやってきました。